Bonsoir mes amis. Nous sommes le 1er mars 2022. Et je suis le soir d'Algérie d'Albara. Voilà, le soir d'Algérie, en première page. Hein. Macron, au sujet de l'affaire Amira Bouraoui. Donc, affaire Amira Bouraoui. Macron dénonce un coup de grisou. Grisou. Qui m'a roi ? Un petit grisou. Zitoflada, il considère que l'affaire Bouraoui et le rappel de l'ambassadeur Dana ou de Bounazaf ou Chab Jazaïzaf ou El Hassan, c'est une affaire belle. Algérie, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Ce matin, le Bel Hayador, c'est dans une vidéo, et c'est mon blé, hein? Et nous allons dépasser tout ça. Je fais confiance à mon ami, Tebe. Écoutez comment le président Zetoflana, c'est une tête à claque. C'est une tête à claque. Moi, je suis un peu de Reis de la Jamhourie de la France. ونعطيو له هنا قيمة ويجي تزارنا يتمسخر بينا. نو جو سو كاتيغوريك. لي بريزيدون اللي تجازو تاع لافرونس ولاو كاخو باتا كان عندهم شوية ان بو دو سيريو ان بو دو بريستونس ان بو ديكسبيريونس. انا سي با كومون يلا ديباركي اون لو سي مي يلا ديباركي كيما هكا الميراج يتمسخر بالشعب تاعو يسو موك دو سون بوبل كي تريت كوم موان كو ريان اون سون فو نو انا حاش ندخلو قطاع دون لي زافير دي فرونسي اونتر او لي فرونسي سون دي مازوشيست يحبو يزال رسوا لي كو دور بور نو با دير اوت شوز سي دي مازو لي فرونسي Ils aiment comme ça. Encore. Tu vas gifler, tiens ma gifle gauche, tiens ma gifle. Mais il ne faut pas qu'il te mousse. Le bled qui m'a déjà dit, c'est pas possible. Il y a combien de fois il s'est foutu de notre gueule là. Déjà, sous. Bouteflika, quel Bouteflika, malade. Il a osé se déplacer en Algérie. Il a fait une visite en Algérie. Ouais, il n'est pas venu pour rendre visite à Bouteflika. Voilà. Il est venu visite, à l'époque c'était le Mali. Il fallait faire rentrer les djouns de l'armée algérienne dans le Mali pour lutter contre les terroristes. Et donc, pour sauver ses soldats. De la mort. 58 morts de jeunes Français au Mali. Et il voulu avoir l'accord pour eux. Bouteflika n'a pas été capable de le lui donner. Malgré gonflé, parce que d'abord il était malade, c'est pas lui qui dirigeait, le petit Alain. Il ne peut pas avoir un bouchon envergure. Ils ont fait monter, talon. Ils ont convoqué le chef d'état-major Gaïsar à la présidence de la République pour qu'il négocie en tête à tête avec le petit Macron. Et le petit Macron a voulu l'embobiner, je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais l'autre Gaïsar, il n'est peut-être pas, c'est pas une lumière, c'est pas quelqu'un qui a des grands diplômes, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Allô mon petit, allô à ton âge, allô moi j'étais dans l'armée avec les Moudjahidines. Notre armée ne sortira pas des frontières algériennes. C'est la constitution qui le veut. C'est pas moi. J'ai pas droit à l'air. Vas-y aux politiques, ils bouclent la constitution, après on en parlera. Allez, dégage. Et il l'a envoyé. Après. Zé, où je
Il s'est adressé à des jeunes Algériens, à des jeunes Français, issus d'origine algérienne. Il leur a dit que l'Algérie n'a pas d'histoire. Manda n'a aucune histoire. C'est la France, c'est la France qui a tout fait. C'est la France qui a construit. En fait, l'Algérie, c'est la France. Et le président Tana Ouzar, ça lui donne le ras. Il s'est fâché avec lui. On m'a dit, on a un très bon. On a dit, il y a un véhicule, où est bombé, un tel chab, ils l'ont eu. Ah, le Zedal. Et vous savez pourquoi le Zedal? Parce qu'il sait, mais lui, ça va s'arranger. La France-Afrique, je vais enterrer la France-Afrique. Mais non, c'est pas lui qui a créé la France-Afrique. C'est pas lui qui gère la France-Afrique. La France-Afrique, elle est gérée ailleurs, dans d'autres institutions. Et elle existe, c'est des dossiers. C'est des dossiers de corruption. Il sait, Billy, ça va s'arranger pour la France. Et oui, Dieu, normalement, on va quand même. Le peuple algérien est en train d'attendre la réaction du président Tebboune avec très sérieux. Ou si on a week-end de Paris, je ne sais pas. Quel est le on l'a fait à la France. Quel est le coup le mois prochain, il n'y a rien fait. Et il va tout oublier et il va tout donner à la France. Là, personnellement, je n'ai ni les dossiers, l'esprit d'analyse que qu'a le président sur la politique de l'Algérie. Je n'ai pas des conseillers, des paramètres, des indices qui peuvent le laisser penser mais il n'y aura pas le chemin d'après le chemin d'opération. L'histoire le jugera. Adam Akan. Mais à l'ailleurs, comme tous les Algériens le demanderont, nous devons donner une leçon à la France. On ne pas laisser le Kanéa chaque fois Yahshuana comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, c'est le type que tu vas aller à l'intérieur. Hachar le peuple français, ou donc Hachar l'Europe, ou Hachar le Nazga, mais pas comme Hachar, c'est quand même tout bon. Mais Hachar, c'est quand même les responsables de Tawana. Ce sont des gens d'Adam, Kbar, Meskbar, du fin mot. C'est pas un gosse qui va nous allez dire un truc, il va nous entuber, c'est pas possible. L'intérêt de l'Algérie, ou le nif d'Algérie, il est au-dessus de tout. Ou des spécialistes, Khaloud, un ancien ambassadeur, il a écrit pour le Watan, un très grand article que j'ai lu, que nous n'avons pas besoin de la France. Les 5 millions, la diaspora qu'elle se débrouille, 80% environ sont des Français. Ils ne connaissent pas un blé d'homme. Allez, salam alaikum.